tout le monde! Bon, ben, je viens vous annoncer quelque chose! D'abord, je vais vous parler de la tournée Noël qui vient de se terminer à Cap-Saint-Ignace et vous dire que cette tournée-là a été une tournée absolument géniale. Vu le contexte social qu'on connaît maintenant, et puis on va dire qu'on l'échappait belle avec la dernière journée où on pouvait faire des spectacles. Donc, avec le contexte social, je vais vous dire que c'était un succès, que je suis très heureuse de cette tournée-là. Et j'aimerais vraiment remercier toutes les gens grâce à qui ça a pu être possible, tout ça. Remercier chacun et chacune des personnes qui ont osé se déplacer, qui ont osé venir m'écouter dans les églises et dans d'autres lieux. Merci beaucoup. Parce que ça fait du bien d'avoir un public live en face de soi. Et vous avez été géniaux, vraiment, tout le monde. Maintenant, je veux remercier aussi les fabriques qui ont aussi travaillé très, très fort à faire venir ce monde. Je veux remercier tous les radios qui m'ont donné vraiment un bon coup de pouce à faire la promotion. Ils ont été très généreux dans la publicité. Ça, c'est formidable. Merci à la radio de la Pocatière, à la radio de Charlevoix, à la radio de Carleton, la radio de Chandler. Puis, j'espère que j'en... Oh! C'est qui, mon Dieu? De mon mari. Merci beaucoup. Vous avez été géniaux. Maintenant, je vous remercie aussi ceux qui ont travaillé très fort. Monsieur Cohen, il y a aussi Doris, Lachance. Je pense que Renelle de Landry, je ne veux pas toutes les nommer de peur de les oublier. Puis en plus, je ne veux pas que ça fasse trop long dans mon petit clip parce que j'ai d'autres choses à vous annoncer. Alors, au courant de cette tournée-là, chaque fois que les spectacles se finissaient, les gens, avec leurs commentaires, me disaient « Tu devrais bien enregistrer ce spectacle-là puis le diffuser. » Alors voilà, c'est pas rentré dans l'oreille d'une sourde. On va diffuser quelque chose, mais ça ne sera pas le spectacle en église, mais ce sera le spectacle quand même. Alors, pour votre cadeau de Noël à tous ceux qui n'ont pas pu venir assister dans les églises ou ailleurs, ben, puis ceux qui sont en France et en Belgique et en Suisse, ben, je vous offre ce spectacle-là en live très bientôt. Alors, on va essayer que ce soit dans le coin du 26 de décembre. On fera ça en deux parties. Première partie pour Noël, deuxième partie pour le jour de l'an. Maintenant, c'est pour moi, pour les artistes, faire des lives, ça demande autant d'énergie et plus que de faire un spectacle live parce qu'on n'a pas les gens devant nous. Donc, c'est quelque chose qui demande énormément. Et puis, étant donné le contexte social, je ne vais pas faire payer le live. Je n'ai pas envie de faire payer le live, pas du tout. C'est gratuit pour tout le monde. Cependant, pendant les lives, je vais faire tirer une de mes toiles ou la collection complète de CD. Alors, ceux et celles qui voudront m'encourager là-dedans, ben vous pourrez auparavant pouvoir acheter des billets pour le tirage d'une toile qui sera tirée dans un premier live et une autre qui sera tirée dans le deuxième live ou la collection complète de CD selon votre choix. Alors, ce sera 20$ pour le billet. On met ça un prix fixe. Donc, les gens qui veulent m'encourager, vous êtes les bienvenus sur mon live et puis, ben, vous risquez de gagner une de mes toiles ou la collection. Alors, je vous donne très rapidement de plus amples nouvelles à la date et l'heure où aura lieu ces deux lives. En attendant, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël, malgré toutes les circonstances. Gardez le positif dans votre cœur. Love you.